Voilà, qu'est-ce que t'as, aujourd'hui on est sur It's Always Monday. C'est un petit jeu indé gratuit qui a l'air un peu psychologique aussi. C'est l'histoire d'un mec qui est au travail qui s'appelle Bob et il travaille dans un bureau comme ça. Et j'ai aucune info de plus, donc on va découvrir ensemble. Je sais quoi, je me lance des explications, mais j'ai pas d'infos, ça sert à rien. Des fois j'ai l'impression que toute ma vie je dormais avec les yeux à moitié ouverts. Un gros coup de vent me donne l'impression que quelque chose va changer. Donc je crois que c'est un gars qui travaille dans un bureau tout le temps, tous les jours, et il a la même routine, etc. 5 étapes de plus et tu seras libre. Strange. Oui, oui. Qui a mis ça, qui le psychopathe qui a mis ça? Sur mon PC. Je peux travailler ou aller sur Chatroulette. Hey Bob, comment ça va? T'es toujours coincé dans cet endroit? De quoi tu parles? Je suis en chaleur. T'as toujours un copain? Ouais, il a marqué autre chose. Il a commencé à écrire t'as toujours un copain, puis il a arrêté, il a marqué oublie ça. Et la personne me répond, Bob, je peux te voir agoniser. Je t'envoie un fichier. Ouvre-le si tu veux sortir de cet endroit. Qu'est-ce que c'est? Ouh, attends. Attends, attends. Ça va trop vite entre nous. Oh, presse H to hide. C'est ce que je fais. Non, non, mais j'appuie sur H. Il va me virer. Mais il va me virer, le con. Ça marche pas. Bah, je suis viré, mais bien sûr, j'appuie sur H et l'outil regarde mon écran. Il y a une meuf qui est comme ça. Il travaille, monsieur, hein. Putain, 4 étapes et tu seras libre. On en a fait une. On en a fait une. Se faire prendre par son boss en train de mater des photos de filles sur Tinder. Ne faites pas ça, je vous jure que ça va pas du tout vous amener à la liberté. Ça va vous amener que des emmerdes. Ok, allez, on va travailler. Oh putain, il fait du Excel. Oh non. Oh, c'est horrible. Je peux éteindre le PC? Oh oui. Alors qu'est-ce que j'ai à faire? Est-ce que j'ai des poteaux? Est-ce que j'ai un collègue? Bah oui, j'ai un collègue. Il s'appelle Bob aussi. On est tous Bob, c'est ça la blague? En mode tous les mêmes. Voilà, c'est ça. On s'appelle tous Bob, tous les mêmes. J'ai compris la métaphore. Parle à Bob 2. Il a toujours des bonnes idées. Bob 2. Qui est Bob 2? Qui est Bob 2 ici? Bob? 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 Bob 2! Il est là! Il s'amuse à lancer des boulets de papier dans la corbeille. Et il y arrive très très bien. Bob 2, t'as une idée pour moi? Amène-moi les burikas qui sont dans la cuisine et je t'aiderai à t'échapper. Mais bien sûr, Bob 2. Lui par contre le boss il dit rien. Comme au lycée, qui c'est qui prend? C'est Bob. C'est jamais Bob 2. Where is the kitchen? C'est très glauque cette boîte, très épurée, mais très glauque. En mode les gens sont tous les mêmes quoi. Ils font tous la même chose, ils ont tous le même PC, le même bureau, la même gueule. Alors c'est quoi les burikas, c'est ça? Oui. Alors j'étais burikas Bob 2, tu vas m'aider à m'enfuir mon gars. Tiens mon gars, les burikas. Ah t'as une clé c'est pour moi? Come on, take the key. Ok, ça ouvre quoi? Ça ouvre un bureau secret. Ah c'est ça, regardez, exit. Je peux ouvrir le locker. Ouh. Attends, parce qu'on peut explorer, on n'a pas exploré. Un autre bureau. Mais Bob est absent. Bob est absent, le patron il dit rien. Mais mec, faut qu'on défonce ce patron, faut qu'on aille le voir. Hein. Mec, Bob est absent, tu dis rien. N'entre pas dans mon bureau. Retourne travailler, esclave. Il sait pas qui on est. Putain. Employé du mois Bob. Elle est drôle cette vanne. Alors, où nous mène donc cette porte de sortie? C'est ça la question. Dans l'espace fumeur, c'est ça? Avec d'autres Bob? Open the door. Oh. Attends, c'est agréable de travailler dans cet endroit quand même. Attends, on va s'isoler sur le petit îlot. Attends, c'est génial d'avoir ça au travail. On va s'asseoir, je suppose, ouais. On s'assoit, on va contempler ce merveilleux arbre. C'est très très beau. Avec cette petite fleur qui tombe. Ah! Transition. 3 trucs de plus à faire et on sera libre. Je pense qu'il faut casser les couilles au patron. À mon avis, il faut forcer auprès du patron. Et je me demande ce qu'ils veulent dire quand ils disent qu'on sera libre. Qu'est-ce qu'ils veulent dire, mon gars? C'est ça la question. Je peux pas le défoncer? Y'a pas moyen que je le défonce? Je veux que tu le pètes ce livre sur son crâne chauve là? Hein? Imbécile! Ou alors, ah, je peux pas lui tirer la chaise? C'est la meilleure blague du monde. En fait, j'aurais pas dû jouer à ce jeu aujourd'hui. Je suis d'humeur à faire n'importe quoi. Et je joue à un jeu très poétique. Hein. En plus, on a déjà eu du poétique avec The Last Guardian. Ah, on peut s'asseoir et écrire, c'est ça? On va faire un origami. Oh. Ça part sur un avion, ça. Oh. Alors, si je peux me permettre, la feuille, elle fait pas ça, en vrai. Il a fait quoi? Il a fait un poisson. Peut-être que ça pourra rendre quelqu'un heureux. Oh, il est mignon! Il est mignon, Bob. Il y a peut-être un mec qui a un origami sur son bureau. Et je vais devoir deviner qui c'est pour lui offrir ce merveilleux poisson en feuille. Ah, mais là, regardez! Il y a une pièce que je n'avais pas vue. Bah, c'est elle. Oh non, son poisson est mort. Oh non, ma pauvre. Est-ce que tu peux me trouver un poisson différent? Bah, j'ai exactement ce qu'il te faut. Il a des petits poumons en papier, en feuille à petits carreaux. Tiens, je te le mets là. Ouais, ça a marché. Deux trucs à faire. Ce jeu est passionnant, mon gars. Par contre, je comprends toujours pas pourquoi il a pas rejoint la fille du début. Mais bon, c'est Bob. C'est Bob, il est touchant. C'est un homme touchant, c'est un homme brave. Quand je vois ça, je me dis que j'ai vraiment de la chance d'être youtubeur. Putain, qu'est-ce que j'aimerais pas bosser dans un bureau comme ça. Il y a plein de gens qui le font et ils sont très courageux, bien plus courageux que moi qui fait mes vidéos. Oh, ici, il y a des casiers. Sol. Il y a rien dans les tiroirs, non? Mais ça fait de la musique. Donc je pense qu'on va devoir trouver une partition quelque part et faire de la zik. Peut-être dans ce bureau-là. Ah, regardez, il y a un casier. C'est fermé. Merde, faut trouver une clé. Do not open. Pff, avec la clé, parfait. On ouvre. Oh, what the fuck. Mais c'est glauque. On est surveillé de ouf en fait. Oh merde. Oh, what the fuck. Oh, tiens.
Je l'ai giflé, c'est un réflexe naturel. Attends, le mec il a un sixième sens du FDP. Il sent quand quelqu'un touche aux caméras qui espionnent les gens, d'accord. Une étape de plus et tu seras libre. Ah, j'entends du vent. Y'a plus aucun Bob. Plus aucun Bob. What the fuck? Mais non. Il va se suicider? Comme si la liberté finalement c'était de mettre fin à sa vie. Mais non. Mais si mec, je crois que c'est ça. Freedom. Eh ben, un jeu très qui fait réfléchir, qui fait bien réfléchir. Moi j'avoue, dès que j'ai eu mon bac, je me suis consacré à YouTube à plein temps, donc j'ai pas connu un métier plus traditionnel. Je sais pas moi, caissier, travailler dans un fast-food, travailler derrière un bureau, j'en sais rien. Peu importe ton métier, peu importe ta vie, t'as une routine qui s'installe, il faut juste savoir la mouvementer un petit peu, savoir trouver quoi faire. Je sais pas, avoir une passion, par exemple c'est les jeux vidéo, il y en a, ça peut être la flûte, j'en sais rien. Et c'est ce qui te fait kiffer, c'est ce à quoi tu penses quand tu fais ta petite routine qui t'emmerde un peu, tu penses au truc cool que tu vas faire derrière et t'arrives à passer au-delà. Et ben là non, le gars, pour lui, la liberté c'est se suicider, voilà, c'est... Non, ça c'est non, ça je dis non. Bref, c'est encore un jeu qui me fait me rendre compte à quel point j'ai de la chance, mais qui me fait aussi me rendre compte qu'il y a des gens qui vivent ça, qui se sentent très très mal parce qu'ils ont une vie très qui se répète, une sale routine qui les fait chier, ils n'arrivent pas à en sortir, il n'y a rien de nouveau, rien ne les fait kiffer. Faites-vous kiffer les gens. J'en sais rien, aujourd'hui il y a 10 000 moyens de kiffer, de se divertir, d'apprendre des choses, surtout avec internet. Alors foncez. Demain je veux que l'un de vous sache jouer de la flûte de ouf et qu'il me fasse un morceau. Bah merci d'avoir regardé, n'hésitez pas à mettre un pouce bleu. J'aime bien les petits jeux comme ça qui font réfléchir, sont assez psychologiques. Et vous avez l'air d'aimer ça aussi, donc ça me fait très plaisir. Ça prouve finalement qu'on a grandi tous ensemble, qu'on mûrit. C'est beau. C'est vrai, je suis sûr que si j'avais fait ce jeu il y a 4 ans, les gens m'auraient pas kiffé quoi. Et même moi, j'aurais pas kiffé. À la semaine prochaine, merci d'avoir regardé. Portez-vous bien, ciao tout le monde. Putain, il m'a flingué, j'avais de l'énergie, je sortais des vannes et là, il me fait réfléchir de ouf le jeu. Allez, on finit tous la journée comme ça sur son siège, à très vite. C'est long.